Salut les barbus et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter en 2 minutes un outil, est-ce qu'il est valable ou pas, est-ce qu'il est intéressant ou pas. Avant de nous attaquer à notre premier outil, j'ai vu dans les stats que vous êtes plus de la moitié à regarder ces vidéos et à pas être abonné. Donc tu cliques sur le bouton abonner, ça te coûte absolument rien et comme ça tu rates aucune des vidéos. Le principe est relativement simple, je vais prendre 2 minutes, pas plus, pour vous présenter un outil, est-ce qu'il est valable ou pas. Et aujourd'hui, on commence avec un aspirateur de chez Ryobi. Petit élément aussi, ces vidéos ne sont pas sponsorisées. Ryobi ne m'a pas payé pour cette vidéo. On est parti pour 2 minutes. Go ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un aspirateur sur batterie. Ça sert à quoi ? À aspirer des merdes, bien sûr, que vous avez dans votre atelier ou à l'extérieur. Moi, si je l'ai acheté, c'est justement pour pouvoir aspirer des petites merdailles ou des petites merdasses sans avoir à sortir mon gros aspirateur et surtout quand je suis en déplacement. C'est quoi les caractéristiques? Il est bien sûr sur batterie Ryobi. Si j'ai choisi cette marque, c'est parce que j'ai déjà les batteries. C'est un facteur important. Je pourrais vous citer tous les trucs, les specs, les machins, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est super simple. Vous avez votre bac dans lequel vous avez vos merdasses. Vous pouvez l'enlever et le vider. Voilà. Et surtout, vous avez aussi un bac pour les poussières fines avec un filtre. On va le remettre. À chaque fois, c'est comme ça qu'on le remet. Le fonctionnement est ultra simple. Tu as un bouton. Et tu aspires les merdasses. Il y a un petit... Merde, putain. Il est livré avec un petit accessoire qui permet d'aller chercher les poussières un peu à droite à gauche et surtout d'aller chercher avec ses poids-poils dans les endroits où tu peux pas spécialement aller avec le bec normal. La question qui se pose, est-ce que ça vaut le coup? La réponse est oui. Pour un peu plus de 30 balles TTC, si tu as déjà les batteries Ryobi, ça vaut carrément le coup. C'est pas un aspirateur avec lequel tu vas faire énormément de choses. C'est un aspirateur d'appoint ou un aspirateur quand tu vas sur un job et où tu sais pas si tu auras une prise électrique pour ton aspirateur principal. Voilà. En conclusion, ça vaut les 30 balles. Ça vaut pas plus que 30 balles, mais ça vaut les 30 balles. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. À très bientôt pour d'autres vidéos un peu plus longues, pas spécialement sur des outils, mais plutôt sur des constructions.